travail d'anté et de reconversion, je vais te conseiller de venir te mettre à genoux comme ceci et de venir poser tes mains devant toi. Ensuite l'exercice, ça va consister à commencer de venir arrondir le bas du dos et creuser le bas du dos. C'est vraiment ça qu'il va falloir que tu viennes chercher. Exactement comme quand tu viens travailler un dos rond dos creux. Donc l'objectif, ça va vraiment être de venir enrouler et tirer aussi cette partie-là du dos. Voilà. Et la rapprocher. Je vais voir que tu viennes travailler le haut du dos. Tu vois, là, c'est pas ça que je veux. Ça, c'est facile, souvent. Rien de plus, hormis cette petite portion du rond dos qui va venir s'enrouler et se creuser. Tu vas pouvoir aussi ajouter de la résistance ou ajouter un feedback si c'est un élastique qui n'est pas très épais. Donc tu vas venir le passer entre tes mains et le passer derrière ton dos pour venir tirer l'élastique qui va passer là derrière pour te donner un feedback de là où tu vas devoir sentir cet étirement, cet enroulement au niveau du bas du dos. Ça va pouvoir potentiellement t'aider.